Nous voulons savoir comment pouvons-nous aujourd'hui distinguer les pains consacrés au pain ordinaire. Bon. Comme tu as dit, Mapa. Le pain ordinaire, les amapos, parce que c'est le pain que tout le monde peut manger. Mais le pain consacré, les amapos, les table. Le pain consacré, c'est pain. Parce que nous avons pain de proposition. Le pain de proposition. Les amis devant l'Éternel. C'était devant l'Éternel. Montagneux, c'est quoi qu'on s'imbangote? Tout le monde. Parce que c'est réservé seulement aux sacrificateurs. C'est pain qui était réservé aux sacrificateurs. Tandis que les pains ordinaires. Le pain ordinaire. Les amis, amapos, monsieur Montagneux, c'est le pain qui était apporté tout le monde. Il y a une explication totale si caractérisée. L'explication a montré que la matière, mon souci, toutes les prédications, où ils ont les bandalités en Zambé, où ils ont le map aux ordinaires, c'est le pain ordinaire. Mais l'ité en Zambé, l'ité à prédication, c'est le pain consacré. C'est le pain consacré. Mon oignon sortait dans la droite, on y a un monde à la. Les gens de David de Poliamo, les gens de David, c'est nous l'église. Cette prédication, c'est le pain consacré. Le pain consacré. L'église, la vraie église du Seigneur, c'est elle qui a grandi cela. Donc Poliamo, faut aller les gens de David. Pour manger ce pain consacré, tu dois être parmi les gens de David. C'est ça. Merci. Merci. Shalom, maman.